Salut petits amis, aujourd'hui une nouvelle vidéo découverte. Aujourd'hui on va parler de Mad Paint Coaster. On va tester le jeu donc ici en totale découverte. Je n'ai jamais touché à ce jeu, voilà, je ne le connais ni d'Adam ni de Eve. Alors c'est un jeu que je vous ai proposé sur Twitter via un système de vote. J'avais proposé 4 jeux. Finalement j'ai vu que Mad Paint Coaster il partait déjà en première ligne. Alors que bon voilà, je connaissais pas, hein, voilà, c'est vraiment un jeu que j'ai choisi totalement au hasard. Donc bon voilà. Merci aux gens qui ont voté pour ce jeu, parce que mine de rien, c'est assez curieux que ce jeu, voilà, j'ai essayé de trouver des informations et tout. Alors, ce jeu est sorti en 1997 sur PlayStation 1 par Akuodo, et c'est vrai que mine de rien, j'ai trouvé que ça comme information théoriquement sur ce jeu, alors que j'ai scruté des sites comme Hardcore Gaming 101, des sites qui vraiment valent la peine en termes d'informations concernant le jeu vidéo, même des jeux vraiment inconnus, des jeux qui sont vraiment pas connus du public. Et là, ce Mad Paint Coaster, j'ai quasiment rien trouvé. Je te jure, j'ai scruté des dizaines de pages, mais vraiment, c'est incroyable. Même de son développeur, Akuodo, je sais même pas forcément si c'est une boîte, hein, une vraie boîte de jeux vidéo. Alors, il est marqué INS, donc j'imagine que oui. Mais quand tu cherches des informations sur ce dit développeur, tu trouves juste qu'il a fait un autre jeu en 1999 du nom de Hakaiden, et c'est tout. C'est tout, tu ne sais rien d'autre, tu sais même pas quelles sont les personnes qui ont travaillé dans ce dit studio. Donc c'est quand même assez étonnant que ce jeu a été fait par une boîte mais totalement inconnue. La boîte est encore plus inconnue que le genre lui-même. C'est assez étonnant, tu vois. Encore une fois, un jeu inconnu. Il y a des développeurs qui, bon, ont fait peut-être 2-3 jeux de renommée, qui, ou enfin, même des fois pas de renommée, mais qui, bon, on connaît légèrement. Voilà. Là, c'est le développeur, là, qui est vraiment totalement inconnu. C'est rare, hein, c'est très rare, quand même, et ça fait du bien de le souligner. Donc voilà, alors, ce dit développeur, qu'est-ce qu'il a fait? Et ben voilà, Mad Paint Coaster, quoi, je vous dis. Un jeu du nom de Dean, sorti également sur PlayStation 1, que je vous testerai très certainement. Faut voir un petit peu ce que ça donne, voilà. Et c'est tout, en fait. Alors, il a peut-être fait 2-3 choses en plus à côté, mais il est pas rare que des développeurs tiers de la sorte tentent des choses, mais ils ne s'en sortent réellement qu'en sortant 2 ou 3 jeux avant que ce soit la fin, hein, voilà. Je veux dire, hein, on supporte beaucoup les développeurs, ce qu'ils ont fait, tout ça, les indés, mais ils ont eu beaucoup de chance, les gars, ils ont eu beaucoup de chance. Savoir qu'à une certaine époque, entre 90 et fin 90, t'as eu quand même une vague de développeurs qui ont voulu surfer sur le succès de la PlayStation 1 et qui, pour le coup, ont tenté des choses, mais se sont lamentablement cassé la gueule. Voilà, excusez-moi du terme du peu, mais c'est la réalité. Il y en a plein qui ont tenté, mais beaucoup trop n'ont pas réussi. Après, bon, y a pas qu'à pour la PlayStation 1. Hein. Si je dois vous sortir par exemple la PC-98, si je dois vous dire tous les développeurs qu'il y a eu, sachant qu'encore une fois la PC-98 c'était pas développé sous licence, donc tu pouvais sortir n'importe quel jeu. Voilà, je vous fais pas un dessin de qu'est-ce qu'on pouvait sortir sur cette machine, notamment. Mais beaucoup ont tenté. Et beaucoup ont échoué. PC-98, je vais vous dire un truc, c'est environ 90% des studios qui ont vraiment échoué. Parce que le PC-98, tu vas retenir notamment Yuno, du Macross, du Gundam qu'il y a eu, quelques Tactical, quelques Visual Novels vite fait bien fait qui ont eu une adaptation par la suite 3-4 ans plus tard en tant qu'anime, ouais, pour promouvoir un petit peu le jeu de base. Et c'est tout, hein, c'est tout globalement. Donc voilà, c'est une triste histoire, mine de rien, mais bon, c'est comme ça j'ai envie de te dire. Bon, écoutez, on va aller tout de suite, alors... Oh, c'est triste comme menu. Je m'attendais pas ça. Ah ouais, Sound Garage, mais ouais, c'est un sound test ça, mais je m'en fiche du sound test. Enfin, après, les musiques ont l'air bien, hein, bon, oui, les musiques ont l'air cool, c'est pas ça que je veux dire, mais tout de même, ouais. T'as même pas une option? Ah, c'est quand même bizarre. Même étrange cette chose. Ok. Bon, peut-être que si je joue dans Start. Ah oui, bah oui, j'oublie, c'est contrôle japonais. Oui, c'est pas le bouton croix. Ok, alors on a. Attends. 1, 2, 3, 4, 5 niveaux, oui, j'arrive à compter jusqu'à 5, vous en faites pas. Donc j'imagine que voilà, tu dois faire tous ces 5 niveaux qui vont être jongés tout simplement d'un coaster et qui pour le coup va falloir faire les 5 niveaux et après on va t'as fini le jeu, hein, globalement. Alors j'imagine que c'est le genre de jeu qui va te prendre, allez, si tu le connais,
on va dire au bas mot 50 minutes à terminer. Après, il faut voir en replay Valou hein, ce que ça va donner, mais j'imagine que ouais, c'est le genre de jeu, comme beaucoup de jeux PS1 à l'époque également, bah, tu les complétais en une heure, hein, en droit chemin, on va dire de la sorte. Donc voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? On va voir ça tout de suite, les petits amis. Alors, ok, petit temps de chargement. Parce que c'est le support CD, hein, voilà. Ok, oh, ils ont l'air très contents, eux, de... ils ont l'air extrêmement contents. Ok, alors j'ai jamais lancé le jeu, hein. Mais par contre, dans la vidéo preview que j'ai vue, ça allait super rapidement. Mais quoi, ils sont déjà malades avant que ça tombe? Ils sont sérieux, les gars? Attention. Oula. Ok, ok, ok. Oh putain, c'est rapide! Oh la vache! Oh! Oh, 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 oh la vache! Ah ouais! D'accord! Wow, bordel! Oh le bordel! Oh là là! Oh, oh putain! Wow! Wow, 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 on va se calmer là, mon gars! Incroyable! C'est trop rapide! Oh la vache! Bon, j'imagine qu'il faut survivre jusqu'à la fin, mais bon, t'as vu cette rapidité! Ok, on peut sauter. Alors, sauter, j'ai l'impression que ça va. Tu peux réguler un petit peu ta vitesse, tu peux récupérer un petit peu. Tant mieux, hein, j'ai envie de te dire. Mais tout de même... La vache! Oh putain! Oh. Cette vitesse de folie! Ah, mais je crois... Bon. Je vais mourir, mais bon, en même temps, j'ai été surpris, hein. Là, très clairement, j'ai été surpris. Oh là 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 là, oh, pris de court. Oh. Oh là 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 là. Ah oui, d'accord. Ah, le jeu, il fait pas dans la dentelle, hein. La vache. Ah ouais. Ah ouais, je suis quand même 9e, hein. Quand même 9e après cette prestation, les gars. C'est fou. Enfin, voilà, franchement, waouh, ouais, d'accord. Quelle vitesse, les amis. En fait, je m'attendais pas à ça, c'est fou, hein. Mais c'est quoi, ça? Oh, cette vitesse, elle est fulgurante, hein. T'as pas touché au jeu avant, t'es sûr de perdre, parce que la vitesse, tu t'y attends pas du tout. Ok, bon. Apparemment, j'ai vu que, voilà, en testant rapidement les touches, qu'on peut juste sauter, globalement, voilà, pour éventuellement éviter les obstacles. Mais bon, après, le problème, c'est que t'es tellement rapide que tu vois même pas les obstacles devant. Donc, la finalité est un petit peu bidon, quoi. D'accord, on peut ralentir. Bon, voilà, il y a une gestion par rapport à la vitesse. Tant mieux, j'ai envie de te dire, hein. Sinon, t'imagines, tu pourrais pas réguler ta vitesse avec... Oh, putain. Imagine, voilà, tu pourrais pas réguler ta vitesse avec voilà, une telle vitesse, j'ai envie de te dire, ce serait quand même une difficulté juste atroce, hein. Déjà que je trouve que le jeu est d'une difficulté vraiment sans nom, là, avec une telle vitesse. Oh là 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 là. Ah ouais. Ah ouais, les gars. Ah ouais, les gars. Bon, on va quand même essayer de finir au premier niveau. Ce serait déjà une bonne chose, j'ai envie de te dire. Oh mon dieu. En fait, voilà, j'essaye de sauter pour essayer d'éviter les ennemis, voilà, si j'en ai devant... Ok. Pouf. Après, voilà, la sensation est là, on peut clairement le dire, hein, je suppose, là, à ce niveau-là. Cependant, est-ce que ça rend pas limite le jeu injouable? J'en sais rien, mais quand même, je t'avoue que bon, ok, tu peux réguler ta vitesse, ok, tu peux le faire minimum... Après, réguler, pas tellement, parce que tu peux juste freiner, hein, c'est tout, quoi. Voilà, voilà. Après, c'est du parkourisme. Ce jeu, c'est clairement du parkourisme, hein. Je veux dire, la première fois que tu vas faire le roller coaster, là, le finir, ça va être impossible. Enfin, sauf si tu vraiment, voilà, si tu fais des trails à la longue, que tu vois, que tu retentes un coup par coup certaines choses. Et qu'au final, tu vas apprendre sur ouais, avec le terrain, sur le fait que tu vas de plus en plus faire le terrain, que tu vas le reconnaître, tu vas apprendre à savoir où sont les tournants, savoir où sont les ennemis, globalement, voilà. Donc c'est... Alors,
c'est pas tellement du Day and Retry, mais on y est un petit peu dans la formule. Hein. Voilà, on va pas se mentir, on est un petit peu dedans. Mais dans le Day and Retry, au moins, j'ai envie de te dire, on te laisse au moins le temps d'apprendre les touches et corriger tes erreurs. Voilà, tout simplement. Corriger tes erreurs. Là, en fait, le truc, c'est que t'es directement mis dans le bain, avec une vitesse, mais totalement claquée. Bon, après... Le jeu porte bien son nom, hein, Mad Panic Coaster. Bon, c'est sûr que là, si le jeu porte pas bien son nom, je sais pas trop qu'est-ce qu'il y a, hein, voilà. Ah, fini ? Ah, fini ? Ouais, 3-3. Bon, voilà, après, ce qui est bien, c'est que, voilà, le jeu propose quand même un niveau court. Donc, en soi, c'est une expérience dans le niveau, mais au moins c'est court. Donc, ça veut dire que, clairement... Ah, le bonus, ça, cool. Bien, ça. Donc voilà, le truc c'est que tu vas avoir une vitesse mais totalement folle, tu vas avoir un niveau mais ça va partir dans tous les sens quasiment. Cependant le niveau est court, donc c'est pas comme si on te mettait un niveau de 5 minutes littéralement. Donc tu as quand même le temps de pouvoir survivre, voilà. Parce que bon, t'imagines un tel niveau, 5 minutes au moins, 5 minutes un tel niveau, t'imagines le truc. Bon après je dis pas, c'est que le début du jeu, hein. J'en sais rien du tout. Si le reste est comme ça. Par contre là, je sais pas du tout comment on va s'en sortir là, mais... Après le truc c'est que voilà, je préfère sauter, parce que en fait ce qui se passe c'est que tu vois un peu plus devant ce que tu as quand tu sautes. Hop. Ah, je peux essayer de récupérer les ballons. J'ai récupéré je pense, ouais j'ai l'impression. Cool. Ah oui, bah là pour le coup oui, je faisais bien de sauter, effectivement. J'ai l'impression que le jeu, ouais, quand tu le fais en sautant, bon, ça passe bien, quoi, ça, c'est super, c'est cool. D'accord, quoi, je pouvais envoyer des bombes, moi, depuis le début. Ah, mais j'avais pas vu ça, moi. Ah, je pensais qu'il fallait juste survivre, d'accord. Bon, en même temps, c'est une découverte, les gars, je pouvais pas tout savoir non plus, hein, comme on dit, mais bon. Ok, wow. Attention. Oh, wow, zut. D'accord. Alors quand même c'est beaucoup plus praticable hein. Là maintenant quand tu sais que tu peux jeter des items pour éventuellement survivre hein, c'est vrai que là d'un coup le jeu possède une difficulté quand même bien plus accessible. Parce que j'ai l'impression que voilà, quand tu fais ces dites actions, j'ai l'impression que tu ralentis légèrement en fait, mais très légèrement. Donc de ce fait tu as quand même une certaine facilité au niveau de la maniabilité qui se met en place, donc tant mieux, hein, j'ai envie de te dire aussi, tant mieux. Voilà. Au début, je trouvais ça vraiment praticable, mais bon, quand tu te fies au gameplay et tout, ça va beaucoup mieux en fait, hein. C'est quand même bien. Voilà, 3-3 pour le coup. Alors, je sais pas quel est le segment du jeu. Est-ce que c'est 3 niveaux par tranche? Je sais pas du tout, on verra ça, hein, de toute façon, c'est clair. Ok, avec bonus, encore une fois, bon, j'imagine que c'est pas le meilleur des scores, mais on s'en fiche, hein, c'est une vidéo découverte, les gars. Voilà. Alors. Ok, j'imagine que c'est une tranche de 3 niveaux, hein, comme ça. Ok, en tout cas, les décors, bon, très vides, mais bon... dans des petites boîtes, hein, voilà, faut quand même relativiser un petit peu. Mais ça reste pas moins néanmoins assez sympa. Ok, on est reparti. Oh là là. C'est vrai que ça... Comme je te dis, hein, la première fois, ça surprend de ouf. Hein, cette vitesse, c'est époustouflant, limite. Franchement. Là, ils ont réussi quelque chose de très bien, je trouve, les gars. C'est vraiment cette sensation de vitesse, elle est vertigineuse. Elle est vraiment incroyable. C'est ouf. En fait, tu t'y attends pas, limite. Au début, comme je te dis, t'es limite obligé de crever, parce que le jeu te surprend par sa technique et sa vitesse, quoi. C'est fou, hein. Non, je trouve ça vraiment incroyable, en fait. Il est totalement gratuit, ce niveau de génération, non? Ok. Ok, alors toi... J'ai limite détruit tous les ennemis, j'ai l'impression. Totalement gratuit, ce niveau, hein. Bon, pourquoi j'ai plus d'indicateur, là? Oula, que se passe-t-il? J'ai pris un chemin annexe. Ok, wow, attention. Bon, ça ralentit un petit peu. Est-ce que c'est pas un boss time là par exemple?
J'ai l'impression que c'est un boss time, hein, là. Ouais, effectivement. Ok, donc t'as quand même un système de quad boss hein, dans ce jeu. C'est bien. C'est très très bien, franchement. Je m'attendais pas à ça, par contre. Je pensais que allez, c'était un jeu où t'enchaînais allez, juste les niveaux rapidement, voilà, sans prétention ni rien. En faisant quand même attention au passage. Et là, quand même, j'ai l'impression que oui, il y a quand même un bon système de boss et tout. Bon, l'intérêt là, c'est de bien viser, de faire très attention, c'est certain. Cependant, voilà, il y a quand même un bon niveau voilà, à prendre en compte. Quand même pas mal de petites choses par-ci par-là. Ah ouais. Par contre, les boss, j'ai l'impression qu'ils rigolent pas du tout. Hein. C'est quand même pas trop mal. Ok, écoute, on va reprendre. Par contre, ok, j'espère juste qu'on va pouvoir reprendre depuis le début du niveau et pas depuis le début du stage, enfin des stages a priori. Parce que sinon, ce serait totalement fumé. Ça va, ça va, ça va. Non, parce que t'imagines, tu reprenais à partir du stage tout entier, enfin, refaire les trois niveaux. Bon, je dis pas après trois niveaux courts, bon, c'est pas la mort non plus, mais quand même, ce serait très très vite redondant, je pense. Ok, on est parti. Bon, en tout cas, je pense que ces deux jeunes vont se souvenir hein, de leur voyage. Hein, c'est sûr, ils vont se souvenir très longtemps. De leur voyage dans le Mad Panic Coaster, je pense que... Y a pas à chier, comme on dit. c'est sûr. Et voilà. C'est impressionnant ce que la PS1 pouvait proposer. Hein. C'est quand tu peux maîtriser son GPU, son moteur, hein, globalement. Franchement, tu pouvais faire des choses très sympas, ce que je vois. Et la PS1... le prouve d'autant plus, hein, c'est certain. Ah, je me suis pris un petit dégât, c'est pas réellement ce que je voulais avant le boss quand même. Je vois qu'il y a un cristal, oh non, oh non, 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 non. Faut pas que je subisse trop de dégâts, oh, putain. Aïe, 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 avant le boss, c'est quand même pas cool, hein, ça. Avant le boss, c'est pas ouf. Hein. Bon, après, c'est quand même un mot aussi d'esquiver dans certains sens, les patterns du boss. En tout cas, j'espère que au niveau de la vidéo, ça passera bien, voilà, que la qualité sera bonne, parce que bon... c'est vrai que niveau fluidité et tout, ce jeu, il va tellement rapidement que j'espère que ça va pas faire des pixels ni quoi que ce soit. Ok. Ça va. Je pense savoir un petit peu comment le gérer. Bon, rapidement, là. Rapidement. Ça va se faire avec des trails, les gars, hein. Faut même pas déconner. Et... Oula, what? Ok. Ok. D'accord. Si tu veux. Aïe. Ok, j'ai mal géré. J'ai mal géré mon tournant là. Très très mal géré mon tournant. Ouais, pas ouf ça. Pas ouf. Ok, écoute, on est reparti. Vous savez quoi, ça va être le dernier try. Après, qu'est-ce qu'on va faire, je sais pas. Parce que j'ai pas envie de répéter 10 000 fois le niveau en boucle, hein, ça c'est sûr. Mais quand même, ce jeu. Vraiment une bonne surprise. Après, je pense qu'on ira sur le Sound Garage, on va voir ce que ça donne. Bon, après, j'imagine que c'est un sound test, hein, ouais, bon... Pas ouf, hein, non plus, j'ai envie de te dire, j'espérais au moins un menu option minimum. C'est un peu le minimum syndical pour tous les jeux, hein, j'ai envie de te dire. Ok, on est reparti, youhou. Donc, c'est quoi, on va éviter de s'arrêter, voilà. Bon, on va essayer de bien gérer tout ce passage. Parce que j'ai remarqué que quand tu t'arrêtes, en fait, tu n'as plus de points. Voilà, quand tu appuies sur arrière, tu n'as plus de points qui se mettent en place. Donc écoute, on va essayer de faire ça comme des bonhommes, hein, voilà. Bien sûr. J'ai vu que quelqu'un pouvait me drop un cristal ici. Voilà, je l'ai récupéré. Voilà, nickel. Ah mince, je pensais qu'il était mort. Je pensais que je l'avais tué, mais non. Par contre, parlant du bestiaire aussi, bon, t'as certains ennemis, au moins ils ressemblent à quelque chose, là, ils ressemblent plus à rien, hein. C'est impressionnant, quoi. Oh, le gosse qui saigne, mais oh, oh merde, oh putain. Je t'ai concentré sur le gosse, là. Ok. Je sais pas pourquoi elle a tendance à toujours nous regarder, la fille, je sais pas, elle est pas heureuse, je sais pas. C'est pas genre une bonne attraction, ça, hein? Non, je pense pas. Oh, ça me paraît être une belle escapade en amoureux, ça. Non, franchement. Ok. Ça va, j'ai esquivé son attaque, tout du moins. Quel... Oh. La chance, ici. Oula.
Ça va, on le gère pour l'instant, on le gère. On le gère. Bien, on s'est pris zéro dégâts. No damage, les gars. No damage contre le boss. Nickel. Nickel, ça. C'est parfait. Ok, bah c'est bien, voilà. Après, maintenant, voilà. C'est bien que je finisse cette parcelle du niveau. Pourquoi? Bon, on va voir les autres. Justement. Et là, j'espère qu'on ne sera pas dans la solution de facilité de... c'est quoi ça? Un mot de passe? Ok, c'était un peu bizarre, ok. Soit. Oui, voilà, donc j'espère que les autres niveaux, bon, ils vont pas repomper des ennemis. Éventuellement sur le color, je dis pas non, mais bon. Niveau architecture ni niveau, j'espère qu'ils sont tous assez différents. Parce que bon, quand même, faut pas déconner, je trouve. Ok, là, c'est sur la glace. Alors, j'espère qu'on va pas glisser plus vite, puisqu'on est sur un décor de la sorte. Voilà, tu vois déjà le circuit de loin. Voilà. J'ai l'impression que si, hein. Tu glisses plus vite, hein. Si, non. Oh, oui, j'ai l'impression que tu glisses légèrement plus vite, là. Enfin, légèrement, quoique non. Enfin, si. Oh, tu le ressens. Oh, la vache. Oh, là, 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 là. Oh, la vache. Oh, c'est quoi, ça? C'est quoi ces ennemis cauchemardesques qu'il y a devant? Ils sont horribles. Oh putain. Purdel. Alors ce niveau mon gars, j'espère que ça sera le seul. Hein. Parce que... déjà que c'était difficile de garder contrôle. Alors quand tu mets un terrain limite glissant... ah, je t'assure mon gars que tu le sens passer. Ah, je t'assure que là... t'es pas bien. T'es pas bien du tout. Bon, du coup, en amont de cette vidéo, je pense qu'une fois terminée, je proposerai simplement un prochain vote, hein, ouais, pour un prochain jeu, qu'on fera la semaine prochaine. À base, voilà, je devais faire ce jeu la semaine où je l'ai proposé en vote. Ouais, j'ai changé mon internet, j'ai eu des petits soucis par rapport à ça. Bon, genre, je sais régler maintenant, il n'y a plus de soucis. Ouais, voilà. Mais disons que j'ai pas eu trop le temps de tourner la vidéo. Voilà, j'ai le temps, tout est bien installé maintenant, tout est nickel, voilà. C'est, ça sera bien, c'est parfait. On va pouvoir reprendre les lives aussi, hein, au bout d'un moment. C'est vrai que ça fait très longtemps qu'on a plus fait ça. Wow. J'ai failli... bah là, je suis tombé. Bah là, je suis tombé. J'ai failli tomber, mais là, je suis tombé. Tout court. Voilà, vous savez pourquoi je saute, hein, voilà, je vais pas vous réexempler ce que j'ai dit tout à l'heure. Oh le bordel. Oh le bordel. Mais avance. Pourquoi tu t'es ralenti d'un coup comme ça? J'ai pas trop compris. Oh là là, énorme boule de neige. J'ai été troublé par ça. Ah, ok, je me prends une patate, je vais mourir. Encore une tarte, voilà. Exactement. Bon, écoute, on va faire un dernier try. Ouais, si on meurt, bah écoute, ce sera pas grave. Au moins, on aura vu ce en quoi consiste le jeu, tout simplement. Qui est pas plus mal. Alors, petit bilan du jeu. Petit bilan du jeu. Alors, c'est sûr que oui, il est bien. Il y a un bon tracing. Il y a une sensation de vitesse totalement excellente. Là, je pense que le mot est très bien défini. Cependant, c'est tellement bon. Au final, y jouer, c'est vraiment compliqué. Parce que la sensation de vitesse est là, mais si derrière t'as pas les contrôles pour bien rattraper tout ce merdier, enfin excusez-moi du terme, mais bon voilà, c'est quand même assez... c'est fou. Bah c'est quand même compliqué quoi, c'est quand même compliqué. Alors tu as des contrôles en... voilà, en jetant des items, voilà, pour tracer ta route. Et tout simplement, bah voilà, tu peux sauter pour éventuellement stacker un petit peu ta vitesse aussi. Et voilà, le problème, c'est que si tu sautes ou que si tu t'arrêtes un minimum, bah, tu vas perdre des points. Ah, tout simplement, tu vas perdre des points. Et là, vous voyez, là, je fais pas exprès, hein. Je fais pas exprès, hein, là, ici. C'est la vitesse normale que je dois gérer à la base. Et le problème, c'est que si je dois me permettre de sauter et tout, je vais jamais arriver à faire un score. Là, vous avez vu à quel point c'est impraticable? Là, ici. C'est dommage. Ah ouais, vous avez vu. J'ai même pas sauté pour vous exempler la chose. C'est assez fou, quoi. Parce que la vitesse, elle est très bonne. Mais derrière, si t'as pas les contrôles, tout simplement pour essayer de maintenir tout ça dans un bon gameplay, bah, tu sais rien faire grand-chose, quoi. Bah, tu sais rien faire grand-chose.
Alors oui, je sais que c'est pas 30 minutes de vidéo, je sais, bon là-bas je fais minimum 30 minutes, mais bon voilà. Je pense vous avoir montré suffisamment du jeu, je pense ici, certainement. Donc voilà, alors un jeu inconnu qui, bon voilà, comme je vous dis, bon il est pas mauvais. Par rapport à ce que je dis, il est pas mauvais. Cependant, je trouve qu'il aurait pu avoir une meilleure maîtrise du gameplay. Voilà, pour au moins maintenir la vitesse, pour au moins voilà, avoir quelque chose de plus concret concernant cette maniabilité. Et c'est sûr que si les idées sont bonnes derrière, la prise en main derrière, elle est beaucoup moins. Voilà, c'est certain. Donc voilà, bon bah écoutez, petits amis, je vous laisse sur cette vidéo. On se retrouve la prochaine fois pour une future vidéo. C'était TPN, tout le monde, les petits amis. Ciao, bye bye, les gars.